Bonsoir tout le monde de Claire Replay, bonsoir Marie, est-ce que c'est 8h du matin et t'es là pour faire le pilates? Parce que t'as oublié mon cours ce soir, on y va! On se place à quatre pattes! Alors, commencez juste à basculer un peu les bassins et à mobiliser la colonne. Donc on inspire et on expire. Inspirez par les nez, arrondissez bien les dos et puis expirez et encore. Inspirez, expirez, très bien. Encore deux fois. Inspirez, expirez et puis un tout dernier. Réalignez. Alors là, on rentre bien les ventres, on active bien les planches pelviennes et on reste là et on respire. Inspirez par les nez, expirez par la bouche et sentez vraiment la sensation par rapport à la cage thoracique qui s'ouvre et qui se referme. Inspirez, inspirez, expirez toujours le ventre bien rentré au 30% et votre planche pelvienne active à nouveau. Et puis là. On va recommencer juste à mobiliser d'abord la cervicale. Hop, regardez bien en haut. Et puis, ramenez les mains dans la poitrine. Et encore. Hop. Et puis, bien en bas. Et encore. On inspire. On expire. Inspire. Expire. Et de là, commencez à mobiliser la colonne entièrement. Donc, deux coccyx au sommet de la tête, hop, et puis, très bien, hop, encore un, et de là, réalignez bien la colonne. Alors, tournez la tête à droite et à gauche pour plusieurs fois, juste pour bien mobiliser la cervicale. Et puis, vous allez méplacer les nez bien alignés à la colonne. Là, tout de suite, accrochez les orteils, décollez les genoux, placez-vous en position d'étable quelques instants, activez bien les abdos un peu plus, restez 4, et 3, et 2. Et un, et puis on repose les genoux au sol, on relâche les orteils, on monte un bras et puis l'autre. Donc, activez bien les abdos, ne bougez pas et montez le bras et puis les bras opposés. Très bien, encore, hop, et hop, et on va changer, on part juste avec les jambes, hop. Sans bouger, sans basculer les bassins, sans bouger d'un côté à l'autre. Vraiment qu'une jambe qui monte et les genoux qui reposent. Et puis là, si vous pouvez, commencez bras, jambes opposées, reposez et changez. Hop, hop, bras, jambes opposées, on repose. Et encore. Très bien. Encore deux et un et puis on repose. Tout de suite, replacez les orteils au sol, décollez les genoux encore une fois. Donc à nouveau, on active bien les abdos, on reste bien aligné. Et puis reposez les genoux, placez les mains sous les côtés et... on fait un demi-tour pour se placer au sol. Alors, dès là, vous allez bien vous placer, réaligner les bras et commencer à nouveau à basculer les bassins et à arrondir les dos. On part bien en bas, on arrondit bien et on remonte. Attrapez derrière les genoux si vous voulez. Arrondissez, arrondissez et remontez. Très bien. Encore deux fois. Expirez. Regardez les nombres, inspirez, expirez, restez là, avec les pieds au sol et on part bien d'un côté à l'autre. Et encore, côté, côté opposé, bras bien en ronde, genoux bien serrés et encore,
on part sous côté, on pose les bassins, les premières vertèbres et on remonte en ronde. Comme si vous dessinez un cercle avec les bras, les bassins et les hauts du corps. Et encore 3. Arrivez le plus bas que vous pouvez. Donc les plus bas possibles. Si vous arrivez à bien poser tout le bas du dos, très bien. Et là, repartez à inspirer. Changez de sens et posez d'un côté, remontez dans l'autre. Et encore. Normalement, vous sentez les abdos, les obliques qui s'activent bien. Encore 2 fois. Oui. Et 1. Et on remonte, on inspire. Et dès là, on déroule la colonne, on se pose au sol, posez bien la tête, rapprochez les pieds, bras le long du corps et on monte à shoulder bridge. Et on va reposer vertèbre après vertèbre et on trouve tout de suite les neutres. Et encore, hop, inspirez, expirez, reposez-vous au sol, vertèbre après vertèbre, retrouvez le petit espace au niveau du bas du dos. Et encore, inspirez, expirez. Alors, prochaine, montez les bras au-dessus de la tête en même temps. Et tirez bien les genoux vers l'avant. Et puis, reposez, repartez avec les bras le long du corps. Et encore, inspirez, montez. Expirez, reposez. Et encore, inspirez, montez. Expirez, reposez, retrouvez les neutres là, allez monter la tête et les épaules. Toujours avec le petit espace au niveau du bas du dos. Et encore, inspirez, expirez, remontez. Inspirez, expirez, remontez. Restez là, supportez la tête, remontez les deux jambes en chaise renversée. Bassin bien stable, commencez un bicycle. Sans bouger les bassins, rappelez-vous, vous pouvez placer quelque chose au niveau du bassin pour mieux le supporter, pour le remonter, changer de direction. Un quart. 4, 3. Et 1, ramenez les deux jambes vers les plafonds, serrez bien les talons, serrez bien la ligne centrale, remontez la tête un peu plus, tendez les bras, on y va, 100, inspirez 5, expirez 5. Je vous rappelle, si vous avez besoin, vous prenez une petite serviette, une petite quelque chose et vous la calez sous le bassin. Continuez à inspirer sur 5. Expirez sur 5 et encore. 5 inspire et 5 expire. Continuez, continuez. Inspirez 5. Quelque chose comme ça. Hop. Expirez 5. Encore. Inspirez 5. Expirez 5. Reposez la tête si vous avez besoin. Toujours avec quelque chose, avec une petite serviette. Et encore. Inspirez 5. Expirez 5. Et dernière. On replace, on inspire, on monte bien les bras, on expire, on attrape le jambe, on tend l'autre au sol et on remonte vertèbre après vertèbre. Alors, déplacez votre petite troupe, petite serviette, coussin, sous bas du dos et là, déroulez la colonne pour vous placer au sol, inspirez et à l'expiration, remontez-moi la jambe opposée, fléchie ou tendue et remontez. Vertèbre après vertèbre. Inspirez. Expirez. Baissez les bras. Déroulez vertèbre après vertèbre. Et puis, vous pouvez bien sûr monter avec les deux jambes au sol. Toujours bien avec contrôle. Et encore. Déroulez, replacez-vous. Inspirez. Expirez, remontez. Inspirez, expirez.
Allez, on fait encore un. Et puis, on arrive à moitié et on reste. Ventre bien rentré. Et là, hop, down. Jambes fléchies. On monte, on repose. Ramenez les genoux au nez. Encore deux. Et un, on repose, on change des jambes. Pose. Et hop, down. Gardez les bassins bien stables. Gardez les abdos bien actifs. Encore deux. Et un, reposez, déroulez la colonne, replacez-vous au sol, inspirez, expirez, rentrez les ventres à nouveau, remontez, hop, 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 on arrive à moitié, et là, hop, and down, jambes tendues, et up, down, on arrive à 5, et on repose, on charge des jambes, 5. Abdos bien actifs, 4 et 3 et 2 et 1 et puis on repose, on déroule la colonne, on se place au sol, on inspire, on expire, on remonte, dernière fois. Et là, enlevez la serviette ou gardez-la si vous avez besoin, montez les deux jambes, serrez les talons, poussez vers l'avant et tirez en même temps, attrapez une des poignets. Sous les épaules, sous les genoux et la rouler pour masser la colonne. Je vous rappelle pour ça, si vous avez besoin, pensez à vous placer sur deux tapis ou placer une grosse serviette de bain sous votre tapis pour avoir un peu plus d'épaisseur si le sol est trop dur. Encore, inspirez, expirez. Inspirez, expirez, dernière fois, inspirez, expirez, restez, redressez bien, montez un peu plus les jambes, décollez les bras, restez là, roulez les épaules en arrière, restez, 4, 3, 2, et là, 1, et deux, on change. Et encore, un. Et dernière. On reste, on déroule, on pose jusqu'aux omoplates au sol ou posez la tête si vous avez besoin. Single leg stretch. Jambes à la poitrine, inspirez, étirez bras et jambes, expirez et encore, on inspire, on étire, on expire, et encore, inspirez, expirez, inspirez, expirez, ne perdez pas les neutres, inspirez, restez, et la scissors, c'est tirez, tirez. Jambes les plus tendues possible. Et encore. Posez la tête si vous voulez, bien sûr. Et on répare un double. Et un, deux, et un, et deux. Et tirez un peu, et un peu plus. Et un peu, et un peu plus. Encore deux. Et un, restez, serrez, supportez la tête et on y va. Switch, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, serrez, fléchissez bien d'un côté à l'autre. Encore, côté opposé, 4, 3, 2 et 1 et on repose. Étirez bien les bras, étirez les jambes aussi, restez quelques instants. Inspirez et puis
Roulez sur un côté, venez vous asseoir. Tendez bien les jambes et hop, asseyez-vous bien droite, bien aligné. Et de là, écartez un peu les jambes, largeur des hanches ou des tapis. Inspirez. Et à l'expiration, arrondissez bien les dos et partez vers l'avant, vertèbre après vertèbre. On inspire, on remonte. On expire. Arrondissez bien. Inspirez, remontez. Expirez. Et... Allez, allez, encore deux fois. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et on remonte. Et on repose. Alors, dès là, passez à vous placer avec une jambe croisée devant vous et l'autre jambe bien tendue. Vous descendez. Fléchissez les pieds. Asseyez-vous bien sur le deux côtés du bassin. Inspirez. Expirez, tendez les bras, alignez aux épaules. Ventre bien rentré. Et puis, faites un twist vers la jambe qui est tendue. Plongez vers l'avant. Allez avec le bras opposé et le peu bras par arrière. Inspirez, ramenez le milieu. Expirez et... Tirez, tirez, tirez. Inspirez. Elle t'a volé le coussin, Delphine? Expirez, oui. Encore. Inspirez. Expirez. Dernière. Inspirez. Tirez bien un bras vers l'avant, l'autre bien arrière. Regardez les bras et restez quelqu'un seul. 4, 3, 2 et 1. Et on remonte. Et on repose. Allez, changez des jambes. Ah oui, elle se promène avec. Inspirez. Expirez. Plongez vers l'avant. Partez avec un bras et les bras opposés par bien arrière. Inspirez. Remontez. Expirez. Twist. Plongez vers l'avant. Tirez bien arrière. Et encore. Inspirez. Expirez et deux fois encore. Inspire. Expire. Et inspirez. Expirez. On reste. On regarde bien arrière. Et puis on remonte et on repose. Ok, on fait un petit demi-tour pour se remettre à quatre pattes. Alors, si vous avez la serviette ou les coussins, passez à le placer sur le bassin pour remonter un peu les bassins. Voilà, passez à vous chercher un autre. Et placez vraiment les creux iliaques. En fait, vous serez même plus confortable. Et dès là, alors, on part. D'abord, avec les mains vraiment sous les épaules, pieds au sol, inspirez, rentrez les ventres au maximum et à l'expiration, montez la tête et les épaules et replacez-vous au sol, inspirez, expirez, on inspire, on pose, on expire, on remonte, on inspire, on pose. Là, on expire, on remonte, on décolle les mains aussi. Inspirez, posez. Expirez, décollez les mains en même temps. C'est ça. Inspirez. Expirez. Un dernier inspirez. Expirez. Et là, placez-vous à la pose des sphinx. Donc, les coudes bien sous les épaules, repoussez, remontez la tête. Tournez la tête à droite et puis collez les mentons
à la poitrine, glissez, arrivez à l'inverse, sur l'autre côté. Et revenez. Hop, regardez devant vous, changez de côté. Et encore. Bien en bas. On remonte, on repart sous côté. On change. Et là, bien d'un côté. À l'autre. Et encore. Hop. Et puis, on réaligne la tête. On replace les mains. On se replace au sol. On pose les mains une sur l'autre. On pose le front dessus. Et on y va. Single leg kick. Et 1, 2, et on pose. Alternez les jambes. Hop, hop. Très bien. Et kick, kick. Décollez les genoux du sol. Sans bouger les bassins. Et pose. Pose encore. Deux fois. Hop. Hop, dernière. Et on repose. Dès là, on repousse les sols, on part bien en dos ronde. Et on arrondit bien les dos vers l'arrière. Se place bien sous les talons. Et puis, on remonte. Et on repart pour faire le shoulder bridge. Serrez les pieds, genoux. Déroulez la colonne. Alors, rappelez-vous si ça vous fait mal au niveau du bas du dos pour les shoulder bridge, déplacez quelque chose pour vous faire un petit support. Sinon, posez la tête, reposez les bras, restez là, ventre rentré. Et dès là, on décolle une jambe à la chaise renversée ou bien au plafond. Et on repose et on change. Hop, hop, down, down, c'est ça, hop. Up, down, encore. Up, up, down, et encore. Encore, encore. Monte, monte, repose, repose, et monte, monte, repose, repose. Deux fois. Up, up. Et dernière. Et on repose et puis remontez encore une fois la jambe et restez. Alors, pensez à bien garder les bassins stables, sans bouger plus d'un côté que dans l'autre. Reposez les bassins au sol, vertèbre après vertèbre, remontez vertèbre après vertèbre. Arrivez avec les deux côtés du bassin au sol et puis remontez, remontez. Et encore, bien en bas, on remonte. Et bien en bas, on remonte et on reste. Faites-moi des toutes petites cercles. Et 5, 4, 3, 2, 1. On change. 5, 4, 3, 2, 1. Et on repose. Changez des jambes. Hop, hop. On reste. Et là, à nouveau, on déroule la colonne, on se place au sol et on remonte vertèbre après vertèbre. Et encore, bien en bas et hop, on remonte. Et encore, bien en bas, on remonte deux fois encore. Down, hop, and down, hop, on reste 5 et 5 cercles et 5. 4, bassin bien stable, 3, 2, 1, on change, 5, 4, 3, 2, 1, on repose au sol et on déroule vertèbre après vertèbre. Replacez les bassins, attrapez derrière et tout de suite, dès là, on passe au teaser. Roulez les épaules en arrière, restez, restez. Ventre bien rentré. Alignez bien les bras. Tendez les jambes si vous pouvez. 4, 3, 2.
et puis fléchissez, attrapez derrière les genoux ou pas, déroulez la colonne, vertèbre après vertèbre, inspirez, et à l'expiration, remontez vertèbre après vertèbre. N'hésitez pas à placer la serviette au niveau du bas du dos pour vous aider, c'est un peu plus facile, surtout si vous avez besoin d'un petit centimètre pour la remonter. Hop, hop, ou attraper derrière. Allez, deux fois encore. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et switch, switch. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on repose. On inspire, on fait un gros cercle, on part bien arrière, on pose les mains arrière et on remonte bien la poitrine. Et de là, décollez les jambes à nouveau, stabilisez-vous bien, stabilisez les bassins. Allez, d'un côté à l'autre, encore côté, côté opposé. 4, 3, 2, 1. Et de là, on fait un petit demi-tour. On se place tout de suite en gainage. De la tête au talon. Plongez vers l'avant, posez-vous au sol. Tendez bras et jambes et on monte. Bras, jambes opposés au maximum sans bouger les bassins. Et on change. Hop. Et encore, monte, monte, monte. Repose. Monte, monte, monte. Encore deux. Et un. Et on y va. Hop, hop, hop. Inspirez deux. Expirez deux. Inspirez deux. Expirez deux. Dernière fois, inspirez deux. Expirez deux. Reposez les mains au sol. Accrochez les orteils. Repoussez. Et placez-vous en gainage sous les genoux ou sous les orteils. Bien aligné de la tête au talon. Allez, vers l'avant, vers l'arrière, et encore, bien vers l'avant, et vers l'arrière, avant, arrière, avant, arrière, et on reste, 4, 3, 2, et 1, reposez un genou au sol et tournez-vous sous côté. Alors, on rapproche bien les genoux avec le bras et on repousse bien la hanche vers l'avant. On pose le bras ou on le monte là ou là, comme vous voulez. Remontez la jambe opposée. Faites-moi up and down, lift and down, up. Hop, petite side kick sous les genoux. Encore deux. Un, cinq et cinq, sept. Et cinq, quatre, trois, deux, un. Stabilisez bien. Cinq, quatre, trois, deux, un. Allez, avant, arrière. Sans bouger. Avant, arrière. Focalisez-vous là. Très bien. Encore. Avant. Arrière, avant, arrière et reposez. On passe à l'inverse. Alors, placez-vous bien sur la même position, dans la même position. Pensez à bien activer les abdos, les fessiers, bras 1 ou 2 ou 3, comme vous voulez. Remontez la jambe et on y va. Up, down, up, down. C'est ça. Très bien. Up, up. Encore deux, un, cinq et cinq cercles, et cinq, quatre, trois, deux, un, on change, cinq, quatre, trois, deux, un, avant, arrière, front and back, et encore, avant, arrière, focalisez-vous là, ne bougez pas, encore un, et puis on repose. On répare, bien en gainage, on reste 8,
Et on repose. Croisez les jambes. On va terminer avec un petit saut. Donc, replacez-vous à l'équilibre sous les fessiers. Arrondissez bien les dos. Serrez les talons. Écartez les genoux. Plongez à l'intérieur pour attraper les chevilles. Et là, roulez. Je suis tombée tout de suite. Et hop. Et trois claps. 3, 2, 1. On inspire. On expire, on remonte. Inspirez. Arrêtez-vous si vous pouvez pour avoir le temps de faire trois claps. Avec les talons. 3, 2, 1. Inspirez. Expirez. Et 3, 2, 1. Inspirez. Expirez. Un dernier. On reste, on croise les jambes, une devant l'autre. On attrape les pieds de l'extérieur. Donc, entourez les jambes avec les bras. Et à nouveau, on pousse et on tire. On reste, regardez les nombrils. Si vous tombez vers l'arrière, vous roulez vers l'arrière, c'est pas grave. Et là, si vous pouvez rouler arrière, juste une fois, remontez, changez. Inversez les jambes, restez quelques instants. On reste. Restez. Et encore, roulez arrière, remontez, posez les pieds, posez les mains, accrochez les orteils. Et là, relâchez tête et épaules, relâchez les bras, relâchez la colonne. Et puis, remontez quelques centimètres, faites-moi des toutes petites cercles dans le vide avec les bras. Et puis, on inspire et on déroule la colonne pour remonter vertèbre après vertèbre. Roulez les épaules à l'arrière. Inspirez. Expirez. Et à nouveau, inspirez, étirez-vous bien. Ramenez les coudes en bas, ouvrez bien la poitrine. Regardez le plafond. Inspirez, expirez, et voilà. Merci, bravo.